Ce soir, nouvelle tornade sur la bourse. Le glissement du dollar inquiète tous les marchés boursiers. Baisse à Londres, Francfort, Zurich, moins 9,2 à Paris. Dans quelques instants, nous appellerons New York en direct. New York où le dollar a lui aussi chuté. Il est chahuté depuis cet après-midi. Le dossier CNCL, Pierre Sabag est l'invité du journal. Après son inculpation, Michel Troy dépose une plainte. Information judiciaire ouverte aujourd'hui contre l'ancien responsable des dossiers de la bande FM pour trafic d'influence. Pas pété, encore sous le choc des événements de la semaine dernière, les victimes des manifestations seront indemnisées. Le gouvernement entend maintenir l'ordre et rétablir le dialogue en Polynésie française. 10 000 maires de France à Paris, au menu la décentralisation et les communes. Jacques Chirac propose 5 réformes, dont l'ouverture européenne. Ce soir, le final, au milieu d'un grand banquet républicain. Reprise des discussions pour un sommet Reagan-Gorbatchev. Édouard Shevardnadze chez le président des États-Unis dès vendredi. Le chef de la diplomatie soviétique effectuera une visite impromptue de 2 jours à Washington. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Je vous le disais tout à l'heure, le dollar est au plus bas depuis janvier 1982. Et d'un seul coup, les marchés financiers qui commençaient tout juste à relever la tête se retrouvent à nouveau dans la tourmente. Moins 9,2 à la Bourse de Paris, moins 5,6 à Francfort, chute également à Zurich, moins 6, Londres et Tokyo. Nous y reviendrons tout à l'heure car dans l'immédiat, tout le monde a les yeux tournés vers Wall Street. Wall Street qui donne le ton des marchés a ouvert à la baisse cet après-midi. Où en est-on ce soir? J'appelle Paul Nahon à New York. Si la tempête boursière s'est un peu calmée à Wall Street, le Dow Jones a en effet gagné 16 points. Une autre tempête s'est levée, financière, celle-là sur le dollar. Le billet vert a chuté de façon impressionnante depuis hier, entraînant dans un premier temps le Dow Jones. Voici les raisons que l'on m'a données ce matin à cette baisse du dollar. Premièrement, elle est voulue et contrôlée par le gouvernement américain. Deuxièmement, un dollar plus bas est plus facile à défendre par les grandes banques centrales. Troisièmement, un dollar qui baisse, troisième raison, un dollar qui baisse améliorera la compétitivité de l'économie américaine et empêchera peut-être le consommateur américain d'acheter sur le marché des produits japonais qui seront plus chers. Quatrièmement, enfin, la baisse du dollar améliorera en partie l'énorme déficit du commerce extérieur des États-Unis. Alors j'ai posé la question ce matin, combien voyez-vous se situer dans les prochains jours, dans les prochains mois, le dollar par rapport au franc français par exemple? Réponse entre 5,70 francs et 6,05 francs. Merci Paul, je vous rappelle tout à l'heure à la fin de ce journal. Partout aujourd'hui, la chute du dollar a entraîné celle des grandes places boursières. Les chiffres avec Alain Dubeski. Tokyo clôture en baisse légère, moins 0,6%. Les investisseurs ont été découragés malgré l'intervention de la Banque du Japon, baisse également à Hong Kong. Francfort, après la reprise d'hier, baisse de 5,6% des valeurs boursières due à un dégagement massif des investisseurs étrangers auxquels s'ajoute la faiblesse de la demande intérieure. Paris, la chute du dollar provoque un recul spectaculaire des valeurs françaises, moins 9,2%. Depuis le début de l'année, la chute globale des valeurs atteint ainsi les 27%. Londres, le rebond de la bourse américaine a permis une réduction des pertes en fin de séance. Les différents indices marquaient moins 2,5 à moins 2,6 en fin de clôture. Oui, bonsoir Philippe. On a l'impression que quand Wall Street se redresse, c'est le dollar qui flanche. C'est un peu caricatural, mais on le ressent profondément. Pas du tout. Ce que disait Paul Nahon tout à l'heure est tout à fait exact. On risque de passer d'une crise boursière et d'une crise financière. Le dollar est au plus bas depuis 6 ans. Il cote actuellement sur le marché de New York un peu plus de 5,81 francs, c'est vous dire, et environ 1,73 marque. Et ceci malgré les interventions des grandes banques centrales, notamment la Réserve fédérale américaine et la déclaration du ministre des Finances allemand, Stoltenberg, qui a dit on va peut-être connaître une coopération internationale plus grande. Pourquoi? On l'a vu tout à l'heure, c'est la crainte d'une récession. Les Américains ont à choisir entre la peste, la récession, le choléra, la baisse du dollar. Il faut, pour ramener le calme, un véritable électrochoc mondial, peut-être une réunion des grands ministres des Finances, sinon on risque, comme dans le film du docteur Folamour, où la bombe atomique échappait aux hommes, là, on risque de voir la bombe monétaire leur échapper.
Alors à terme, c'est le franc aussi qui est menacé, et l'entreprise France qui prend de plein fouet le contre-coup du choc boursier. Vous savez, vous connaissez bien le mouvement de bascule, quand le dollar baisse et le marque qui monte, aujourd'hui, il valait 3 francs 35, c'est un record, mais on m'a dit à Francfort que pour l'instant, le franc n'était pas véritablement menacé, parce qu'il est défendu par de bons indices des prix français, que le différentiel des prix entre l'Allemagne et la France s'est amélioré. En revanche, la lire italienne semble assez menacée. Il va y avoir donc des tensions à l'intérieur du système monétaire européen. Un dernier mot, Philippe, il y a eu beaucoup de ventes à Paris cet après-midi. Il y a eu une ruée de ventes étrangères tout à fait rationnelles, disent les boursiers. Des ventes qui viennent beaucoup d'Angleterre. On vit actuellement un mouvement un petit peu fou. C'est une véritable crise monétaire internationale. Cet après-midi, devant le Conseil économique et social, François Mitterrand a évoqué la crise actuelle en mettant l'accent sur les problèmes des petits actionnaires. Écoutez le chef de l'État. Moi, personnellement, je pense que la crise dont nous souffrons aujourd'hui, la crise internationale, c'est d'abord celle du chacun pour soi. Il ne faut pas seulement désigner des coupables ou des responsables. Il faut aussi savoir que nous le sommes tous un peu, que nul n'accomplisse les gestes qui pourraient, avec imprudence, aggraver la crise, je veux dire aggraver la situation de ceux, je pense spécialement aux actionnaires, qui se trouvent affrontés à un problème délicat, pour employer un terme bénin, quelquefois dramatique pour combien de familles. Tout au long de cette semaine, nous essayons, vous le savez, d'analyser les conséquences de la crise qui secoue les marchés financiers. Après New York hier soir, nous nous tournons aujourd'hui vers Londres, Londres où les problèmes se sont accumulés dans le sillage de Wall Street. Reportage d'Alain Cancès. On les appelle les Yuppies ou les Golden Boys, la jeunesse plaquée or. Ces enfants de Mme Thatcher et du libéralisme s'étaient habitués au cours de ces dernières années à des profits apparemment sans limite. Ils ne connaissaient de la bourse que les périodes de hausse et de prospérité. Voitures de luxe, champagne et appartements somptueux, une légende se bâtissait autour de leur style de vie. Depuis 10 jours, le réveil est amer. Trop d'entre eux, qui s'étaient laissés aller au charme des jeux boursiers et des profits faciles, se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Oui, j'ai perdu quelques livres, comme beaucoup d'autres. Assez, et même beaucoup. Si certains en Grande-Bretagne, notamment dans l'establishment, ont tendance à se réjouir du malheur et de la faillite de ces quelques milliers d'enfants trop gâtés, les plus sages s'interrogent avec inquiétude sur les conséquences à court et à long terme de la crise actuelle. Première victime, l'opération de privatisation de British Petroleum. Les acheteurs, les petits investisseurs ne sont pas venus. Mais pour l'instant, Mme Thatcher, fidèle à sa politique, a décidé de mener l'opération jusqu'à son terme. Principaux perdants, quelques grandes institutions de la City. Nigel Lawson, le chancelier de l'échiquier, le ministre des Finances britannique, vient de déclarer en substance « La City doit apprendre à respecter les règles du jeu, même quand elles ne lui sont pas favorables. » Un langage qui n'est pas pour déplaire à la majorité des Britanniques. Beaucoup plus graves vont être les conséquences de la crise actuelle sur l'ensemble de l'économie britannique. Forte baisse prévisible pour les industries de services, restaurants, hôtels, commerces de luxe et entreprises de tourisme. En difficulté également, l'automobile et l'industrie de la construction, même si les agents immobiliers essaient encore de faire bonne figure. Il y a au moins un avantage dans l'immobilier, vous pouvez toujours le vendre plus facilement que des actions. Je suis un agent immobilier et par nature, les agents immobiliers sont optimistes. Optimisme de commande que dément déjà la réalité des carnets de commandes. Et personne à Londres n'a le cœur à se réjouir en voyant se profiler, au-delà de la crise actuelle, le risque bien réel d'une véritable récession. Demain, troisième et dernière enquête, nous tournerons à la Bourse de Paris. En France, l'inculpation de Michel Roy suscite aujourd'hui encore de nombreux commentaires. Vous savez que l'académicien, à qui on reproche d'avoir favorisé l'attribution d'une fréquence radio, contre-attaque et porte plainte à son tour pour forfaiture contre le juge Grelier. La plainte a été déposée d'ailleurs tout à l'heure. Dans cette affaire, vous l'avez compris, c'est autant la CNCL que Michel Roy qui se retrouve en première ligne. Pour essayer de comprendre le pourquoi de cette escalade, nous recevons ce soir Pierre Sabag, l'un des 13 sages de la CNCL. Avant de vous donner la parole, Pierre Sabag, voyons les derniers prolongements avec Thierry Calmette. 8h ce matin, le président De Breuil quitte son domicile. Il ne fera aucune déclaration. La lecture de la presse du matin vient de lui souligner l'importance de l'inculpation de Michel Droit.
Invité d'Antenne de Midi, Yves Roca précise le rôle des membres de la CNCL dans l'attribution des fréquences radio. Ah ben cher monsieur, alors nous devrions tous être inculpés puisque nous avons tous, par définition, voté pour une radio. C'est donc que chacun nous l'avons choisi, que chacun nous avons défendu certains dossiers, donc nous devons tous être inculpés. Rue Jacob, cet après-midi, une certaine nervosité règne dans l'hôtel particulier de la CNCL. Impossible de joindre le président, il faudrait plusieurs jours pour obtenir un rendez-vous, nous a-t-on répondu. Ils veulent rendez-vous, un rendez-vous apparemment, mais... C'est-à-dire qu'il faut prendre rendez-vous, il nous donnera rendez-vous. Je vais prendre vos coordonnées, et puis moi je vous rappelle très volontiers. 16h30, Michel Droit arrive, décontracté comme amusé par toute cette agitation. Je suis en pleine forme, je vais vous dire. Je suis très heureux. Voilà. Et de vous voir, notamment. Enfin, il faudrait tout de même pas que ça dure trop longtemps. Ciao. Les journalistes battent la semelle, interdiction d'entrée, même pour accueillir André Santini, ministre délégué à la communication, attendu pour la fin de l'après-midi. Sa visite est prévue depuis 15 jours. Il va renouveler la confiance du gouvernement à la CNCL. Soyez vous-même dans vos fonctions qui sont importantes et dans vos tâches qui sont considérables. L'institution nouvelle de notre démocratie que vous représentez a besoin pour son équilibre du temps sans lequel rien ne se fait. Pas un mot sur l'inculpation pour forfaiture de Michel Droit. 18h30, départ d'André Santini, mais pour les 13 sages de la CNCL, la journée n'est pas terminée. Cet après-midi, en effet, nouveau rebondissement. On vient d'apprendre qu'une information judiciaire était ouverte contre Pascal Valéry Radeau pour trafic d'influence. Monsieur Valéry Radeau était chargé de mission auprès de la CNCL, responsable des dossiers concernant les radios locales privées. Pascal Deschamps. Pascal Valéry Radeau ne répond plus à la CNCL. Suspendu de ses fonctions, il continue à toucher son traitement, mais la commission a annoncé dès le 22 octobre qu'en raison de la connaissance qu'elle avait d'un fait précis reproché à l'un de ses chargés de mission, elle avait pris la décision conservatoire qui s'imposait. Fait précis, Pascal Valéry Radeau, chargé de préparer les dossiers pour les membres de la commission radio, aurait bénéficié des largesses de Radio Orient, une radio islamique dont la légitimité est contestée par une partie de la communauté maghrébine. Le responsable de cette radio lui aurait notamment offert un voyage au Maroc. Je n'ai jamais payé un voyage au Maroc ou n'importe où, à qui que ce soit, à la CNCL ou ailleurs. C'est clair, c'est carré. Le reste, le juge d'instruction est au courant du détail. Malgré ces affirmations, il semble bien que Raghid El Chama ait offert ce séjour par l'entremise d'une agence de voyage située dans le 13e arrondissement, avec qui il a des accords publicitaires. Avec l'ouverture d'une information judiciaire, cette affaire va être confiée officiellement à un juge d'instruction, vraisemblablement le juge Grelier. Pierre Sabac, bonsoir. Une première précision. Jean De Breuil, le président de la CNCL, a dit aujourd'hui sur le plateau d'Antenne de Midi que le mot forfaiture n'avait pas sa place dans cette affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je ne sais pas très bien ce que veut dire forfaiture. C'est un crime commis par un valet contre son seigneur, quelque chose comme ça. Je ne vois pas aussi si ça a sa place. Je ne le crois pas, d'ailleurs. Pour vous, c'est un terme qui est trop fort? Oh, il est sûrement trop fort, mais il faudrait qu'on m'explique. Monsieur, on vient d'apprendre donc cette décision du parquet à propos de Pascal Valéry Radeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement, dans la CNCL, il peut se cacher ce qu'on pourrait appeler des moutons noirs? Je ne peux pas vous dire qu'il n'y en a pas, comment le saurais-je? Mais ça m'étonne beaucoup. Et quand je dis beaucoup, je le mets en majuscule. Car je ne les crois pas du tout. Ceci étant, je ne sais pas, parce que Pascal Valéry Radeau, si je le connais bien... Il était là avant la CNCL. Et je crois que ce sont des choses qui se sont passées avant la CNCL. Je n'en suis pas certain. En ce qui concerne le contenu du dossier, je ne suis pas certain que ça se passe avant. Mais enfin, revenons, si vous voulez bien, à quelques mois, justement, auparavant, c'est-à-dire le 10 juillet. Oui. Le 10 juillet, il semble que ce soit là, qu'en assemblée plénière, la CNCL décide de l'attribution, et à huis clos, de sa fréquence à Radio Courtoisie. Oui. Alors est-ce qu'on pourrait savoir, les téléspectateurs aimeraient enfin savoir sur quels critères s'est fait cette attribution? Oh, cette attribution, c'est difficile, je vais vous le dire, car il y avait quelque chose comme 300 demandes, et il est évident qu'on ne peut pas accorder ça, pas même la moitié, enfin, soyons très sérieux. Mm-hmm. Il faut que chacun puisse
jouir de sa fréquence et apporter le signal. Ceci étant, oui, il y a eu des choses qui étaient serrées, difficiles. Il y a une chose que je ne peux pas vous dire, et ça, j'en suis totalement incapable, car je n'étais pas à Paris à la fin de cette affaire, car je suis, si vous voulez, l'itinérant de chez nous, parce que on dit, tu es connu, vas-y, ça passera bien. Alors là, à cette époque-là, j'étais à Avignon, à la fin, mais pas au début. Mais à cette réunion du 10 juillet, vous y étiez ? Non. Ah, vous n'y étiez pas ? Non, je n'y étais pas. Donc vous ne pouvez pas nous dire quels ont été les critères ? Non, je ne peux pas vous dire, mais je peux vous dire en tout cas que ça a toujours été, pour ça, pour toute autre chose, des discussions qui étaient quelquefois âpres, en disant oui, mais pourquoi ? Est-ce que tu ne crois pas que ? Etc., etc. Ça n'a pas été fait comme ça, pile en l'air, sous le nom de quelqu'un ou sous la tête de quelqu'un, en aucun cas. Bon, élargissons le débat à l'intégralité des dossiers d'attribution. On voit par exemple ce qu'on peut appeler des dossiers croisés, des reventes éventuelles de fréquences, des dirigeants de stations qui n'ont pas toujours l'air peut-être très recommandables. Vous voulez dire depuis ? Depuis ? Depuis, oui. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les attributions et puis ce qui s'est passé après ne laissent pas un peu à désirer ? Si, il y a des choses qui laissent à désirer, je vais vous dire lesquelles. C'est qu'il y a des gens qui ont accepté d'être deux sur la même fréquence. Et pourquoi nous serions-nous opposés à cela ? En sachant qu'ils s'accordent sur ce qu'ils prennent le matin, le soir, peu importe. Et de ce côté-là, c'est vrai, il y a des différends entre eux et qui ne sont pas toujours aimables, loin de là même. Est-ce que c'est une autocritique de la CNCL ? Je ne le pense pas, parce qu'on leur a demandé de se mettre d'accord, car c'est très gentil d'avoir un pylône et de ne pas émettre, mais ça ne peut pas durer. C'est parce qu'ils privent d'autres qui pourraient l'avoir, et actuellement nous en occupons beaucoup. D'une manière générale, Pierre Sabag, moi j'aimerais savoir si vous êtes encore à l'aise au sein de la CNCL. On a l'impression que l'édifice est un peu ébranlé en ce moment, depuis quelques temps. Non, je comprends très bien. Vous regardez quelques phases de l'extérieur, mais je peux vous dire, et c'est pas évident, je le reconnais bien volontiers, que nous sommes, nous, ensemble, soudés comme il n'est pas possible. Il est vrai qu'au début, on se posait des questions. On ne savait pas ce que celui-là pouvait faire, celle-là pouvait faire. Et maintenant, nous travaillons vraiment, vraiment ensemble, et dans un climat qui est très bon. Quelquefois, c'est vrai, nous votons. Il y a des gens qui ne signent pas vos communiqués, par exemple. Comment ? Quelquefois, il y a des gens qui ne signent pas vos communiqués, des membres de la CNCL. Il y en a, mais j'ajouterais heureusement. Parce que, attention, si vous voulez que je vous dise ce que c'est le bagne, je ne vous le dirai pas, loin de là. Si vous voulez savoir s'il y a des ordres, je vous dirai, il n'y en a pas. Oui, mais par exemple, il y a des télévisions qui continuent à diffuser des émissions malgré votre désaccord. Peut-être que demain, des télévisions ne respecteront pas leur cahier des charges. Qu'est-ce que vous ferez ? Vous avez les moyens d'intervenir ? Bien entendu. Ceci étant, est-ce que vous croyez que de travailler au canon, c'est souhaitable ? Moi, je ne le pense pas. Personnellement, je ne le pense pas. Et nous n'avons pas été jusqu'à là, et nous n'avons pas été brutaux, je ne le pense pas. Mais certains commencent à ne pas nous aimer du tout. À qui vous pensez ? À plusieurs. Oui, on a tous compris. Ah, je ne pense pas. Non ? Non, plusieurs. Il faudra s'attendre à des révélations dans les jours qui viennent, alors. Oh, je ne crois pas, ça va venir. Je crois que la raison fera beaucoup de travail. Et nous le souhaitons. Nous le souhaitons pour eux et pour qui ? Pour les auditeurs, les spectateurs. Car c'est de ça qu'il s'agit, vraiment. Pierre Sabag, je vous remercie. À Tahiti, le calme après la tempête. Ce matin, au Conseil des ministres, François Mitterrand a insisté sur la restauration du dialogue social. Avant lui, Bernard Ponce, le ministre des Dom-Tom, avait parlé de maintien de l'ordre à court terme et de développement économique à long terme. Pour le chef de l'État comme pour le gouvernement, l'impératif, c'est celui de la concertation dans un contexte particulièrement difficile. Dominique Thiers. En ville, image dérisoire. Les heures les plus douloureuses des Tahitiens gravées sur les pellicules des souvenirs. Malgré les jours qui passent, l'émotion des commerçants sinistrés reste intacte. Alors il était où votre magasin, madame ? Il était là. Qu'est-ce que c'était comme magasin ? Un magasin de prêt-à-porter masculin. Chaussures marocaines. Il était magnifique.
Je l'avais créé il y a 3 ans. Non, on n'a pas envisagé de partir, mais enfin, on pense que l'avenir ne sera plus comme avant, quoi. Chercher les raisons du déchaînement de la violence n'est pas ici chose aisée. À la mairie de Faa, le fief des indépendantistes, les causes sont analysées comme étant bien sûr éminemment politiques. Il y a des gens qui vivent dans la misère, et il y a une partie, une minorité qui vit dans une certaine opulence, et ça au vu et au su de tout le monde. Et l'État ne fait rien du tout pour essayer d'équilibrer un peu tout ça. Est-ce que vous avez condamné les actes de violence qu'il y a eu après dans la ville? Mais bien sûr que nous condamnons ces actes de violence. Nous voulons l'indépendance de notre territoire, nous ne voulons pas que notre pays nous revienne en 1000 morceaux. Un bureau d'accréditation de fortune, table, chaise et une batterie de tampons. C'est ici que l'on délivre au compte-gouttes les autorisations pour pénétrer dans la zone portuaire. Seuls les armateurs et les transporteurs peuvent y avoir accès. Les dockers grévistes, eux, sont interdits de séjour. Contrôle rigoureux des gendarmes mobiles, le Haut Commissariat faisait une précieuse tentative. Faire travailler des dockers non grévistes. Opération réussie, 2 cargos déchargés ont quitté le port de Papeete. Il est interdit de filmer les hommes qui travaillent, ils craignent les représailles. Réunion du puissant syndicat des dockers, puissant non par le nombre, mais par la capacité de paralysie du territoire qu'il sait utiliser. Situation bloquée, 6 jours de grève et pas de négociation en vue, une raison suffisante pour le haut-commissaire de rester vigilant. Le retour au calme est une chose, mais le conflit social demeure. Et aussi longtemps qu'il demeurera, l'affaire n'est pas réglée. Je souhaite qu'elle soit réglée. C'est pourquoi l'initiative prise par le territoire me paraît bonne. L'Assemblée territoriale doit se saisir du dossier. Alors qu'elle s'en saisisse, qu'on discute. Pour l'instant, l'état d'urgence est maintenu, mais le couvre-feu pourrait être levé dans les jours qui viennent. Les forces de l'ordre, près de 1000 hommes au total, ont reçu malgré leur mission une stricte consigne, la discrétion. À l'étranger, surprise, le sommet Reagan-Gorbatchev se profile une nouvelle fois à l'horizon. Je dis surprise, car la semaine dernière, M. Schulz était rentré bredouille de Moscou. Qu'est-ce qui s'est passé, Georges Bortoli? C'est Mikhail Gorbatchev qui a fait un geste? Eh bien, regardons un peu l'image. Vous allez voir immédiatement Schulz qui pleure et Schulz qui rit. Il avait l'air bien sombre, M. Schulz, en annonçant vendredi qu'il n'y avait toujours pas de date fixée pour la rencontre Reagan-Gorbatchev. Et puis aujourd'hui, le secrétaire d'État a une toute autre expression pour annoncer que la situation s'éclaircit, que le sommet est de nouveau en vue. Et M. Reagan, en rendant visite aujourd'hui aux cadets de l'école militaire de West Point, peut leur dire que l'honneur est sauf. Lui, Reagan, n'a pas cédé. Au fond, c'est M. Gorbatchev qui a assoupli son attitude. Vendredi dernier, il disait il n'y aura pas de traité sur les missiles à moyenne portée si M. Reagan n'abandonne pas son projet d'armes spatiales antimissiles. Et puis maintenant, voilà qu'il semble abandonner ce préalable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un retournement de situation quand même. Oui, je crois que M. Gorbatchev a voulu tester la fermeté de M. Reagan. À un moment, M. Reagan, vous le savez, a toutes sortes d'ennuis politiques, économiques, financiers. Et puis, bon, il est notoire que parmi les gens en vue en URSS, il y en a quelques-uns qui conseillent à M. Gorbatchev qui est d'être très très ferme. Apparemment, il ne les a pas écoutés très très longtemps. Et le sommet se déroule quand? Avant la fin de l'année? Donc c'est peut-être un peu tôt, là. C'est tout dire. Maintenant, on ne parle plus d'un sommet, mais de 2 sommets. M. Gorbatchev irait voir M. Reagan aux États-Unis et puis M. Reagan irait voir M. Gorbatchev au début de l'année en URSS. Retour en France avec la politique politicienne. Sondage BVA Paris Match dans la perspective des présidentielles. Sondage consacré au report des voix au second tour. Principale constatation, il y aurait une déperdition importante des voix de la droite dans l'hypothèse d'un deuxième tour. Barre Mitterrand, 20% des électeurs chiraciens ne voteraient pas pour Raymond Barre. Deuxième hypothèse, celle d'un second tour Chirac-Mitterrand. 40% des électeurs barristes s'abstiendraient ou voteraient pour François Mitterrand. Enfin, le vote des électeurs lepénistes, dans l'hypothèse d'un duel Mitterrand-Barre, 45% d'entre eux oscillent entre l'abstention et le vote Mitterrand. Dans ce contexte, la poignée de main Giscard-Chirac, aujourd'hui en Auvergne, prenait un tout autre relief, même si officiellement on était là pour inaugurer le premier tronçon de l'autoroute Paris-Clermont-Ferrand. Rachid Arab. L'autoroute Paris-Clermont-Ferrand, il y tenait depuis longtemps, Valéry Giscard d'Estaing. Une autoroute dont la construction a été décidée en 1977 par VGE président et, ironie du sort, inaugurée ce matin en grande pompe par Jacques Chirac. Jacques Chirac qui a rencontré aujourd'hui le président du conseil régional d'Auvergne et non pas l'ancien chef de l'État. Tout au long de la journée, VGE s'est ostensiblement tenu en retrait, sauf pendant son discours. Un discours au cours duquel il a reproché à l'État d'oublier un peu sa région.
la réponse du Corrézien à l'Auvergnat n'a pas vraiment traîné. L'impatience du Limousin est égale à celle de l'Auvergne, et je suis le premier à comprendre la hâte de nos régions si longtemps enclavées. Alors ça, c'est l'autoroute. Ah, ah oui, c'est super. Et où est l'autoroute? C'est l'autoroute. Ah ben c'est ça, bah oui, oui. C'est un peu imagé, mais oui, c'est la future autoroute. C'est la future autoroute. Plus sérieusement, et avant de se séparer, les deux hommes ont bavardé quelques instants loin des micros. On ne sait pas de quoi, ou plutôt de qui, ils ont bien pu parler, mais la discussion avait l'air très serrée. 4000 maires en congrès à Paris et près de 15 000 ce soir à Bercy pour la grande fête de clôture. Dès cet après-midi, Jacques Chirac, maire de Paris, mais surtout Premier ministre, s'est adressé aux élus pour leur préciser les grandes réformes qui concernent les 36 400 communes françaises. Mon but, a-t-il dit, c'est d'assouplir les relations entre les communes et l'État. Le 70e congrès des maires se termine en apothéose par un concert ce soir à Bercy. Mais en ce moment, les maires participent à un grand banquet républicain. L'ambiance avec Bernard Pradino. La soirée est prévue pour 15 000 convives. Autour de M. Chirac, près de 10 000 maires, dont celui d'une toute petite commune de 23 habitants en Corse. C'est le troisième banquet républicain de ce genre. Mais le précédent remonte déjà au mois de septembre 1900. Malgré les consignes de M. Mauroy de ne pas participer aux agapes, certains élus socialistes partagent quand même ce soir le foie gras et le poulet avec leurs collègues de la majorité. On a beaucoup parlé dans la journée de décentralisation et donc des pouvoirs nouveaux des maires. Mais pour respecter une vieille tradition française, on en a parlé à Paris. Il est vrai que cela peut se comprendre. Il s'agissait de rencontrer le maire de Paris, qui est également Premier ministre, et peut-être plus un jour, selon les souhaits de beaucoup des convives de ce soir. Il y a un quarté demain à Évry, Pierrette, 20 partants. Exactement. J'attends vos pronostics avec impatience. Moi j'adore cet hippodrome d'Évry. Ouais. Et demain il sera encore plus attrayant. Il ressemble non seulement à un très beau jardin, mais il sera encore plus attrayant grâce à la course du quartet. En effet, avec les 20 chevaux engagés dans le prix Jean Gillois, la course du quartet s'annonce très intéressante. Et une fois de plus, eh bien, on peut s'attendre à un très gros rapport de quartet justement. Une course très ouverte, vous l'avez compris, mais qui est faite pour des spécialistes. Alors des spécialistes de longue distance, puisqu'ils devront parcourir 3000 mètres, des spécialistes de terrain lourd, et ça je pense que Laurent nous le dira tout à l'heure, et aussi des spécialistes de parcours corde à gauche, puisque sur l'hippodrome d'Évry, eh bien, on y galope corde à gauche. Alors vous avez choisi 8 chevaux. Exactement. J'ai choisi de faire confiance à O.A. Vival, numéro 12, suivi de Vicente, le numéro 5, Calistine, le 18, et Farsalis, le numéro 17, suivi de Tongan, le 6, Ferlut, le numéro 16, Exeat, le 7, et False Sainte, le numéro 14. 12, 5, 18, 17, 6, 16, 7 et 14. Merci. On enchaîne avec la météo. Laurent Cabrol, sale temps dans le midi de la France. Hein. Sale temps, effectivement, de gros orages dans le midi de la France. On va voir tout de suite des images qui ont été prises cet après-midi à Nice avec des trombes d'eau. Ce sont des grêlons qui se sont abattus sur cette ville de Nice. Il y a eu également, regardez ces grêlons, comme ils sont, cette chute spectaculaire. Il y a eu énormément de pluie également à Montpellier et à Sète avec 30 litres d'eau au mètre carré. Veuillez que ces orages ont été très violents. Demain, nous les retrouverons, ces orages, sur notre carte du temps que je vous propose avec la météo nationale. Vous allez voir ces orages qui seront toujours présents sur le pourtour méditerranéen. Et puis nous aurons aussi, il faut bien en convenir, de très belles éclaircies sur la Bretagne et la Normandie que je vous trace ici. Ces éclaircies, elles vont réapparaître dès le courant de la matinée. Partout ailleurs, un ciel couvert avec des averses. Les températures sont douces pour la saison. Nous aurons 14 à 18 degrés sur la moitié nord de la France, 17 à 26 degrés sur la moitié sud. Et il fera ici 18 degrés à automne, dans l'Ain. Automne, dont on aime les rumeurs et le souffle discret des feuilles qui tombent en douceur. Demain, le soleil se lèvera à 7h33, se couchera à 17h35. Bonne fête les Narcisses. Dernier journal, Aubry Edler, aux alentours de 23h15. D'ici là, passez une excellente soirée sur Antenne 2. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain à 20h. Bonsoir.